Bienvenue dans les nouvelles capsules des Oui, c'est possible, où je vais à la rencontre de personnes qui ont osé, osé créer leur vie qui les inspire, osé créer leur vie de leurs rêves. Les Oui, c'est possible, on se transforme, on vibre haut et on impacte le monde. Aujourd'hui, j'ai le bonheur d'accueillir Luc Baudin, ancien médecin diplômé en cancérologie clinique, conférencier, formateur spécialisé dans les médecines naturelles, et auteur de nombreux livres, entre autres son nouveau livre, La Révolution de l'amour, nous en parlerons en fin d'interview, aux éditions Très Daniel. Alors, bienvenue Luc Baudin, merci. Merci beaucoup de prendre ce temps pour nous inspirer. Merci Céline et merci à tous les spectateurs qui vont écouter cette vidéo. J'espère qu'elles vous aideront sur votre chemin, c'est surtout ça. Que mon expérience, ma petite expérience pourra vous aider sur votre chemin. Alors moi, Luc, j'ai une question, là, ma première question en fait. Vous avez été médecin pendant 25 années, c'est pas rien. Puis un jour, vous avez changé d'angle. Et donc, vous avez dû laisser vos patients, vous avez dû laisser votre carrière professionnelle dans la médecine. Quel a été ce cheminement pour lâcher les patients, la médecine et ce que vous faites aujourd'hui? Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque j'étais médecin, j'adorais mon métier. J'adorais mon métier parce que c'était vraiment une médecine de famille. Il n'y avait pas encore les ordinateurs, mais il y avait beaucoup de charges. Il y avait les gardes de week-end, les gardes de nuit, pendant la semaine, etc. Donc, il y avait une charge de travail qui était importante. Mais ce que j'adorais, c'était la communication qu'il pouvait y avoir avec mes patients. Et Dieu sait, je le dis et je le répète souvent, c'est que si j'en suis là aujourd'hui dans mon chemin de vie, quelque part, c'est aussi en grande partie grâce à eux, et c'est souvent eux qui m'ont ouvert sur plein de visions différentes. Et moi, j'ai toujours été, tous les ans, je me formais également à des médecines naturelles différentes. Alors, je ne vais pas vous donner la liste, ça passait de l'ostéo à la nutrition, à la micro-immunothérapie, à la mésothérapie. Puis après ça, je me suis intéressé à d'autres domaines comme la force de la pensée, comme les groupes de prière, comme les états de mort imminente, etc. Donc, tout ça, ça m'a passionné. Et tout ça, au cours de toutes mes années de carrière, il y a eu une alchimie qui se passait entre mes patients et moi. Et puis, arrivé à un moment où j'ai remarqué que cette alchimie commençait à ne plus être présente. Il y avait plus, les patients changeaient, certainement que moi aussi j'ai changé, tout a changé, les ordinateurs sont arrivés, tout ça, je ne suis pas en train de faire la vieille nostalgie, oh le bon, comment que c'était bien autrefois, ce n'est pas du tout ça, c'était que ça a changé, c'est la vie, hein, ça change. Mais c'est bien que je ne me suis pas reconnu, et puis à un moment, j'ai perdu un petit peu le feeling. Alors à ce moment-là, j'avais le choix. Le choix entre me dire, OK, j'étais médecin installé, je tournais plutôt bien, je travaillais sur rendez-vous, un mois de rendez-vous d'avance, etc. Donc, j'aurais pu continuer tranquillos jusqu'à la retraite et puis toucher ma retraite. Mais simplement, j'étais plus satisfait. J'étais plus satisfait de ce que je faisais. Et donc, en fait, je me suis arrêté déjà une première fois. C'était une grosse cassure, c'est clair, aussi bien pour mes patients, parce que là aussi, quelque part, même pour moi, je perdais mon statut de médecin. J'ai même déménagé, donc j'étais dans une ville où j'étais inconnu, alors qu'autrefois, dans la ville où j'étais, je ne pouvais pas faire 10 mètres sans rencontrer quelqu'un que je connaissais. Donc ça change complètement tout. Mais ça m'a permis aussi de faire un certain nombre de choses que je n'avais jamais pu le temps de faire. C'est là que je me suis passé mon diplôme de cancérologie clinique, c'est là que j'ai commencé à écrire mon premier bouquin, c'est là que j'ai commencé à faire une mission humanitaire au Tibet en particulier, et donc ça m'a permis de faire des choses, et je me suis dit, bon, il y avait quand même mes patients qui me manquaient quelque part. Et donc, j'ai recréé un cabinet, d'une part en France, et puis après ça, en Nouvelle-Calédonie. Mais là encore, je me suis aperçu qu'en effet, même s'il y avait vraiment
Il y avait quelque chose qui se créait avec mes patients. Malgré tout, moi, je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait plus. Donc, c'est là que j'ai vraiment décidé d'arrêter. Mais quand j'ai arrêté la deuxième fois, en fait, je ne savais pas du tout où j'allais. Je ne savais pas où j'allais. Je ne savais pas du tout. Et donc, c'était le territoire vierge de Rome. Et puis, j'ai fait le pas. J'ai fait le pas parce que je me suis dit, il faut, et c'est là que les premiers livres sont sortis, c'est là que ça a commencé à intéresser un certain nombre de personnes, d'éditeurs, c'est là que j'ai commencé aussi à écrire dans des revues de médecine naturelle, mais c'est les occasions qui sont arrivées parce que j'avais arrêté. Et ce n'est pas, je n'ai pas arrêté parce que j'ai eu ces occasions-là. Il faut bien savoir ça, hein, c'est que ce pas-là, il faut le faire. Je ne savais pas, j'étais dans l'inconnu, mais j'avais confiance et les opportunités sont arrivées. Alors, de fil en aiguille, j'ai écrit dans des journaux, j'ai aussi commencé à lancer des formations en soins énergétiques, etc. Et puis, au fur et à mesure, même au niveau des sujets de mes livres, ont beaucoup évolué au fur et à mesure du temps. Là encore, je n'ai jamais prémédité quoi que ce soit, je suis toujours que mon inspiration et mes envies de partager. Au début, c'était plus dans le domaine médical et des médecines naturelles, par exemple l'Alzheimer, les traitements naturels, ou la fibromyalgie, même le cancer, quels sont les traitements naturels qu'on peut donner. Moi, j'ai toujours travaillé en consensus, c'était en complément des traitements conventionnels, je ne suis jamais de l'alternative, je suis toujours du complément. Et puis, donc, c'est pour ça qu'au fur et à mesure, les opportunités, le cœur, je me suis intéressé à des choses et qui m'ont commencé à me lancer dans la technique hawaïenne avec le Ho'oponopono. Après ça, c'était la méthode Aura, ça a été d'autres livres sur la loi d'attraction, les éléments aussi des soins énergétiques, l'enfant intérieur, etc. Et puis là, tout dernièrement, j'ai réécrit justement un grand manuel de soins énergétiques, mais aussi deux livres qui sont en plus, avec plus de celui-là, deux livres de fond. Le premier, c'est enfin le deuxième après le grand manuel de soins énergétiques, c'est la médecine spirituelle. Il faut être assez gonflé pour écrire ça, mais c'est pas grave. Et le sous-titre qui résume bien la situation, c'est soigner, guérir l'âme pour soigner le corps. C'est plus l'âme pour guérir le corps. Et puis le dernier, c'est ce que vous avez montré tout à l'heure, c'est aussi cette révolution de l'amour qui a été écrite avant l'épidémie de Covid et qui aujourd'hui, la sortie a été différée à cause de cette épidémie et du confinement, mais je dirais qu'il est en plein dans l'actualité. Voilà, j'ai résumé. Yes, nickel. C'est parfait. Et oui, nous sommes dans une période dite incertaine pour beaucoup d'entre nous. Et c'est vrai que le dernier, alors j'ai un coup de cœur, on l'a dit en off, j'ai vraiment un coup de cœur pour ce livre. Je pense qu'il peut vraiment nous inspirer à justement faire cette révolution de l'amour et nous permettre de baisser un petit peu toute cette tension, toutes ces peurs qui nous inondent tous les jours. Il n'y a pas un jour où on ne nous demande pas d'avoir peur. Donc, on va en parler et c'est vrai qu'il est très, très beau. Et donc, moi, je voulais… vous avez fait ça. Donc, le cheminement, en fait, donc vous avez arrêté la médecine, vous êtes parti dans tout ça, dans toutes ces ouvertures, sans trop savoir où ça allait vous mener finalement. Et moi, j'ai envie de vous dire, le regard des autres, des confrères, peut-être de la famille, des proches, ça a été quoi? Parce que je suppose que tout le monde peut-être vous a pas dit, c'est super ce que tu fais, vas-y, fonce. C'est là qu'il y a un grand tri, hein, de toute façon. C'est là qu'on retrouve les vrais amis, les gens vraiment qui nous aiment. Voilà, parce que il y en a beaucoup qui me traitaient complètement de fou et de farfelu, de faire de, de,
de faire des choses, de faire des choses pareilles. C'est évident qu'il y a toujours, il y a aussi tous ceux qui auraient bien, qui aimeraient bien faire la même chose et qui n'osent pas et qui sont toujours en train d'essayer de nous donner, c'est les réponses par la raison. Et donc, c'est la raison qui domine. La raison, il y a des personnes en plus, moi, dans les familles, je voyais ça aussi, c'est qu'on vous a mis à une place dans la famille qui n'est pas une place que vous avez choisie, hein, mais c'est on vous a mis dans une place là, et puis d'un seul coup, vous ne répondez plus à cette place. Et donc, là, il y a beaucoup de personnes qui s'interrogent, qui ne comprennent pas. Les amis, comme je vous dis, les vrais amis, en général, ils disparaissent, il n'y a pas besoin de forcer la chose. Par contre, les vrais amis, ils sont toujours là. Et puis, vous en faites d'autres, de toute façon, qui sont plus en adéquation avec, avec le cheminement que vous faites. Les collègues, ben, je dirais que de toute façon, j'étais déjà un petit peu un médecin à part, dans le sens que je faisais déjà de la médecine naturelle. Je me rappelle quand j'étais... Quand je me suis installé, je faisais de l'acupuncture et de l'homéopathie, en plus de la médecine générale. Et souvent, on me traitait de farfelu parce que je faisais de l'acupuncture et de l'homéopathie. Donc, c'est pas grave, farfelu pour farfelu, autant. Mais bon, avec le temps, ça s'est arrangé avec mes collègues, c'était arrangé parce qu'ils ont vu un peu que même si je faisais des choses qui sortaient un petit peu de leur ordinaire, je le faisais en conscience et puis ils voyaient que je ne faisais pas ça, je dirais. De façon Par-dessus ma tête et que je gardais les pieds sur terre et que je faisais toujours mon travail de médecin généraliste, comme on l'appelait, comme on l'appelle maintenant. Donc, de ce point de vue-là, j'ai jamais eu de soucis parce que, justement, je faisais mon travail, je faisais mes gardes, je faisais mes formations en médecine conventionnelle, plus les formations en médecine naturelle. Donc tout ça prenait un peu de temps, évidemment, mais bon, c'était la médecine, j'adorais. J'adorais. J'adore toujours quelque part, mais différemment. voilà. Différemment. Pardon. Différemment. C'est une Différemment. médecine différente. Différemment. Voilà, oui, c'est. Parce que c'est vrai que les réponses que j'ai à donner, souvent, peuvent... surprendrait certainement beaucoup de médecins, mais je suis assez content avec les nouvelles générations. Il y en a beaucoup qui s'ouvrent sur tout ça et qui sont beaucoup plus, qui travaillent beaucoup plus avec le cœur. Hein, et je pense que la féminisation aussi de la profession y a été aussi pour quelque chose. Et, mais pas que. Hein, il y a aussi beaucoup d'hommes qui sont sensibles. Et j'ai bon espoir dans cette nouvelle génération, voilà, qui changera sans doute. Quelques réformes au niveau du Conseil de l'ordre et de la sécurité sociale dans les prochaines années ou prochaines décennies. Moi, Pourquoi pas? je suis un Pourquoi pas? éternel optimiste. Je suis très Moi aussi, optimiste. pourquoi pas? Surtout que vous, quand vous avez commencé l'homéopathie, c'était l'homéopathie. Bon, moi, je sais que moi, mes parents m'ont soignée par homéopathie depuis gamine, hein, voilà, bon, et que ce n'était pas que des granules avec du sucre dedans, parce que ça soigne vraiment déjà les petits maux des enfants de l'hiver, etc. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on faisait partie des gens un petit peu. Ben, qu'est-ce que c'est? Tu prends pas des antibiotiques, tu prends des granules. C'est vrai que c'était surprenant. Alors que maintenant, beaucoup moins quand même. Les choses ont bien évolué quand même. Les choses ont bien évolué, mais l'homéopathie, on sait bien qu'elle est passée à la trappe récemment. Et je peux en dire un mot d'ailleurs, parce que Oui, allez-y, tout allez-y. simplement, parce que l'homéopathie, moi, je l'ai pratiquée donc pendant toutes mes années d'exercice, et ça a vraiment donné des résultats extrêmement intéressants, surtout sur les maladies chroniques difficiles. Ça a aidé vraiment les personnes sur les maladies. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est impossible de réaliser une étude sur l'homéopathie sur un médicament homéopathique comme on le ferait sur un médicament allopathique. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand il y a une personne qui vient avec un rhume, vient voir un homéopathe, l'homéopathe n'a pas un remède, mais il a 20 remèdes à proposer selon les symptômes présentés. C'est-à-dire que si le rhume coule clair ou épais, s'il y a une perte d'odorat ou non, s'il y a des petites croûtes dans le nez, etc. À chaque fois, c'est un remède différent. Alors, si on prend un de ces 20 remèdes et qu'on se dit, tiens, on va le tester, voir si ça donne un résultat sur le rhume.
C'est évident que ça va être efficace que sur une petite partie de des personnes qui auront un rhume. Et évidemment, le résultat ne sera pas au rendez-vous. Alors, c'est pour ça que je proposais des études différentes sur l'homéopathie. C'est plutôt de prendre, je sais pas, 20 médecins homéopathes, de leur envoyer à chacun 20 malades atteints d'un rhume et de laisser le médecin choisir le remède adéquat. Et de vérifier ultérieurement le résultat. Parce que c'est une thérapie de terrain. Et c'est évident qu'on n'a pas tous le même terrain. Là, j'entendais une vidéo, enfin, qui était une personne qui était très éclairée, parce qu'elle disait, mais par exemple, pour les médicaments allopathiques, on a commencé maintenant de tester depuis pas mal d'années, les médicaments pour l'adulte et pour l'enfant. Déjà, c'est une première chose. Mais on s'est arrêté là, alors que c'est une erreur. La première erreur, c'est qu'il serait peut-être intéressant d'étudier aussi les remèdes sur les personnes âgées. Parce que les personnes qui ont 75, 80 ans, ils n'ont pas le même dynamisme bio, la même physiologie. Donc, il est important de vérifier qu'il n'y a pas de nocivité. Mais il serait aussi intéressant d'étudier ces médicaments sur les hommes et également sur les femmes. Parce que les femmes et les hommes n'ont pas le même métabolisme et de donner des posologies ou des remèdes identiques à un homme ou à une femme, les femmes sont beaucoup plus fragiles sur un grand nombre. Fragiles, je dirais, j'enlève le mot fragile. Non, les femmes ne sont pas fragiles, elles sont beaucoup plus sensibles, dans tous les sens du mot d'ailleurs, mais, ouais. Mais aussi beaucoup plus sensibles aux médicaments. Et donc, c'est pour ça que le médicament est peut-être intéressant, mais peut-être que pour les femmes, il suffirait de donner la moitié de la dose qu'on donne à un homme, par exemple. C'est mon cas, en tout cas. Moi, c'est divisé par deux, voire pédiatrique. Donc, voilà. Voilà, exactement. Donc, merci Céline d'apporter de l'eau à mon moulin. Voilà. Donc, je suis dit, alors là, il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est vrai que l'homéopathie, ben, voilà, une année de nos jours. Mais là aussi, j'ai bon espoir parce que les choses aussi bougent et que il y a des gens comme vous, il y a plein de personnes qui aussi disent leur vérité et puis écoutent leur cœur et vont communiquer un message et diffusent. Donc, moi aussi, je suis assez contente. Moi aussi, de toute façon, ça arrivera à refaire surface un jour ou l'autre, ça c'est clair. Mais il y a une loi en biologie qui est très simple et qui est largement oubliée, c'est qu'il y a une inversion de l'effet en fonction de la dose. C'est-à-dire que quand on prend une dose d'un produit, par exemple le café, à dose plusieurs tasses par jour, etc., ça va nous exciter et ça va nous empêcher de dormir. Mais inversement, le café à dose infinitésimale pourra résoudre un certain nombre d'insomnies. Et donc, c'est l'inversion parce qu'on est à dose pondérale ou à dose infinitésimale et ça s'inverse en fonction de la dose. Voilà. Alors, vous savez quoi? J'entends parler de mon ancien médecin homéopathe. Quand je vous entends, c'est trop bien. J'ai un flashback, là. Oui, puis j'ai des cheveux blancs. On peut commencer à parler de l'ancien médecin. J'assume. J'ai un flashback, là. Et justement, on est dans l'amour, on est dans le cœur. Et en off, je vous ai dit, j'adore la phrase... Votre cœur connaît votre route. C'est ce que vous avez fait. Vous le dites bien. Vous dites, ben, quand j'ai tout lâché, je ne savais pas où j'allais, mais j'avais confiance. J'avais confiance en mon cœur. Et cette phrase, je la trouve magnifique. Et moi, j'aimerais bien savoir, est-ce que vous pourriez expliquer aux personnes là, qui vont regarder, parce qu'ils vont nous dire, ouais, vous êtes bien gentils tous les deux, mais votre cœur, mon cœur connaît ma route. C'est bien gentil, mais en fait, moi, voilà, je travaille beaucoup, j'arrête pas, j'ai les enfants, j'ai le mari ou la compagne, j'ai une vie qui est à 100 à l'heure. Moi, le cœur, je n'ai pas forcément le temps d'écouter mon cœur. Il faut travailler, il faut gagner sa croûte, etc. Est-ce que vous pourriez nous expliquer s'il vous plaît, alors, votre cœur qui est trop, c'est magnifique, votre cœur connaît votre route. Oui, et la phrase suivante qui allait avec, c'était « Mais votre cœur connaît la route, aurez-vous le courage de le suivre ?» Exactement. Aurez-vous,
Moi, je dois le suivre. Parce qu'en fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que écouter son cœur, moi, j'ai arrêté mon travail pour faire je ne sais trop quoi, mais bon, j'ai trouvé les opportunités sont arrivées à ce moment-là. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que il n'y a pas forcément besoin de tout changer non plus. Il n'y a pas besoin, on peut avoir un travail, je dirais, pour subvenir à ses besoins et aux besoins de la famille, tout en faisant d'autres activités à côté qui répondent à notre cœur. Donc, on peut déjà. Voilà. Et puis, je dirais qu'il y a la raison qui, comme vous le dites, ben, il faut bien que je paye mes traites, il faut bien que je paye les études de mes enfants, il faut bien que, il faut bien que, il faut bien que. Voilà, mais et puis après ça, ça c'est la raison. Et puis après ça, la raison m'aurait pu me dire, comme je le disais tout à l'heure, je continue, j'étais tranquille, un mois de rendez-vous d'avance. Aujourd'hui, j'en aurai certainement trois parce qu'il y a de moins en moins de médecins, donc j'aurais pu continuer tranquillement jusqu'à ma retraite sans problème. Donc ça, la raison me disait, continue, même si tu n'as plus la fibre pour le boulot, continue. Mais là, ça, vous savez, après ça, ça fait des personnes aigries. Combien de personnes que l'on rencontre dans son boulot qui sont aigries? Ils en ont ras-le-bol de leur boulot. Ils en ont ras-le-bol de leur boulot, ils le font parce qu'il faut bien gagner sa croûte, etc. Par contre, leur cœur, quand on l'écoute, on se dit on aspire à quelque chose d'autre. On aspire à quelque chose d'autre. Et donc, et moi, j'ai vu beaucoup de personnes qui aspiraient à quelque chose d'autre et qui étaient assises comme sur un banc, voilà, et qui attendaient que les opportunités arrivent. Et les années passaient, et les années passaient, et les années passaient. Et donc, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire, c'est qu'il faut qu'on mette en mouvement le processus, et à ce moment-là, les opportunités arrivent. Il y a la phrase que j'ai entendue 100 fois quand j'étais gamin, « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Donc, mais aide-toi, commence par t'aider. Et puis après, les choses arriveront. C'est la confiance dans la vie et ce à quoi on n'a pas du tout l'habitude de nous présenter des choses. On nous présente, surtout aujourd'hui, on nous montre un monde agressif avec les virus qui vont nous attaquer, avec le risque de se faire des attentats, des révolutions, d'une météorite qui tomberait sur la Terre, d'un nouveau cataclysme, etc. Donc on nous met sans arrêt dans la peur, et cette peur, c'est ce qu'il y a de plus terrible, parce que à cause de cette peur, on se trouve sclérosé, et quelque part, on donne notre pouvoir aux autres, aux dirigeants, je dirais. On perd notre power, comme disent les Anglais, le power. On perd notre power. Et c'est de notre faute parce que c'est nous qui l'avons donné, ce pouvoir. Et puis après ça, les autres à qui on a donné le pouvoir, ils n'en font pas forcément un très bon usage, mais on ne rentrera pas dans les détails. Et l'élément, c'est de se dire, OK, je reprends le pouvoir de ma vie. Et c'est pour ça que ça m'a beaucoup plu aussi le Ho'oponopono, parce que d'un seul coup, avec cette technique hawaïenne, eh bien, on reprend le pouvoir de notre vie. On n'est plus des victimes, on n'est plus en train... Parce que quand on est victime, c'est terrible, parce que, ah oui, mais j'attends la décision de mon patron, ah oui, j'attends de savoir si ma femme ou mon mari est d'accord, ouais, oui, j'attends, mais c'est parce qu'on a donné le pouvoir. Mais si d'un seul coup, on reprend la responsabilité de notre vie, d'un seul coup, c'est nous qui avons le pouvoir, c'est nous, si on a fait les choses, on peut les défaire et on peut changer. Et ça, c'est quelque chose que j'ai véritablement vécu, parce que c'est vraiment à nous de bouger et non pas d'être sur un banc en train d'attendre. J'avais une femme comme ça, elle me dit j'attends l'homme de ma vie. Oui, c'est bien. C'est bien. Et combien il y en a? Mais je lui dis, mais qu'est-ce que vous faites pour ça? Ah ben non, j'attends. Ben, je lui dis, si vous voulez trouver l'homme de votre vie, il serait peut-être intéressant de faire partie d'associations, de choses qui vous plaisent déjà. Parce que si vous faites partie d'une association, je ne sais pas, si vous êtes joggeuse, vous faites partie d'une association de joggeurs, vous rencontrerez peut-être quelqu'un déjà où vous aurez un atome crochu ensemble. Donnez des opportunités.
Parce qu'il y avait toujours il y avait la petite histoire. Je t'aime bien les petites histoires, Céline, une petite histoire. Allez, 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 une petite, allez, une allez, petite. une petite histoire. Allez, une histoire. Alors, c'était l'histoire de Moshé. Moshé qui priait tous les jours de sa vie, Oh mon Dieu, faites que je gagne au loto. Oh mon Dieu, faites que je gagne au loto. Tous les matins, il se levait, Oh mon Dieu, faites que je gagne au loto. Alors, au bout d'un certain nombre d'années, le bon Dieu, il en a eu un peu jusque-là, et puis il a dit à Moshé, Bon, bah, moi, je veux bien que tu gagnes au loto, mais joue au moins. Ben, ma foi, ben oui, c'est ça. Mais c'est vrai que il y a beaucoup de situations. Ben moi, la première, hein, des fois, on se dit, ben, j'attends, t'attends quoi? T'attends quoi? T'attends de mourir parce que demain, tu peux mourir ou même dans 1 heure. Donc, fais-le, ose. Et c'est possible, oui, Voilà. c'est possible finalement. Et Et c'est comme ça que je suis là aujourd'hui. c'est ça, c'est ça, Voilà. c'est ça. Parce que vous avez osé. J'ai osé, ouais, oui, j'ai osé. Et Voilà. je suis super fière parce que c'est un super bon moment, plein d'amour. Et c'est vrai que moi, enfin, je vois genre, des personnes quand je les accompagne ou quand c'est souvent ça, c'est ben, ouais, mais là j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Et oui, et vas-y. Qu'est-ce qui t'empêche? Et c'est pas après pas, on ne te demande pas comme vous dites de tout foutre en l'air et puis voilà, pas après pas, tranquillement. Mais c'est vrai que après, l'être humain a peut-être. La notion de lâcher prise, c'est très compliqué chez l'être humain. Et puis, et la loi de Surtout la. ici, surtout dans cette société. Surtout dans cette société, on est en plus dans le matériel. Moi, c'est vraiment quelque chose de moi qui me. Alors, plus je vieillis, plus je le vois, et plus on est vraiment dans le matériel, dans acheter, acheter, acheter. Mais on achète l'extérieur, mais est-ce qu'on se prend soin de notre être intérieur, de notre cœur? Et alors c'est vrai qu'il y a les mots maintenant à la mode, l'intuition, écouter son intuition, qu'est-ce que ça veut dire? Ben tiens, je vous la pose. Qu'est-ce que veut dire écouter son intuition finalement? Oh, c'est très simple. C'est très très simple. C'est très très simple. C'est qu'en fait, c'est comme quand vous allez au restaurant. Vous allez au restaurant et puis d'un seul coup, vous ouvrez la carte, bingo, il y a votre regard qui tombe là sur un plat. Et en général, c'est le bon. C'est celui dont vous avez envie. Ce n'est pas forcément le meilleur pour votre santé, mais c'est que notre intuition, c'est elle qui nous donne la première information. Après vient la raison. Après vient la raison. Et donc, et les femmes sont beaucoup plus outillées que les hommes sur l'intuition. Quand, là encore, c'est une généralité. Il y a des hommes qui ont beaucoup d'intuition et inversement, des femmes qui travaillent beaucoup plus avec la raison. Mais je veux dire que l'intuition, vous êtes devant une situation, vous avez un choix. Déjà, intuitivement, vous avez quelque chose qui vous tente. Déjà, c'est ça la première information. Et puis ensuite, y a la raison qui se ramène. La raison qui dit oui, mais non, mais machin, et puis on ne va pas avoir le temps, puis on a autre chose à faire, etc. Il va vous donner moultes explications pour ne pas le faire. La raison, il n'y a rien de mieux pour rester assis sur son banc pendant toute sa vie. C'est vrai. Exact. Pourquoi? Parce que si on écoute son intuition, on est obligé de changer. Changer, ça fait peur. Il faut lâcher prise. Alors que la raison, elle nous dit, oui, mais on va rester dans nos petites habitudes. C'est rassurant. Sauf que cette raison, elle oublie une chose qui est très simple, c'est que le monde change autour de nous. Demain sera obligatoirement différent d'aujourd'hui. Et de dire que on va reprendre, même là, avec notre épidémie qu'on est en train de vivre, de se dire qu'un jour, on va pouvoir reprendre notre petite vie qu'on avait en 2018 ou en 2019, c'est raté. Ce n'est plus possible. Il va y avoir obligatoirement beaucoup de changements qui vont s'être proposés. Donc, de se dire, je reste la raison, voilà. Et c'est quelque part, il y avait un qui avait dit, la véritable vie se situe en dehors de nos peurs. En dehors de nos habitudes. C'est là où c'est Jonathan le goéland, celui qui s'envole et qui va découvrir le monde, pendant que tous les autres restent dans la basse-cour. Et il revient toujours avec plein d'informations.
Et c'est vrai que là, je me rappelle, j'avais un sujet de philo qui m'avait été posé et qui m'avait beaucoup. Il y a des. Voilà, ça, Sophie, je ne me rappelle pas des autres, mais celui-là, je m'en rappelle particulièrement. C'était quelle est la différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie? Et alors, c'est rigolo. C'est très, très rigolo ce que vous dites parce que moi, quand j'étais infirmière scolaire, j'ai eu la chance de croiser le chemin de Jean-Luc Delarue quand il faisait ses tournées, je ne sais pas si vous vous souvenez, contre les addictions, qu'il allait informer les jeunes sur les addictions. Et donc, j'avais eu la chance qu'il vienne dans l'établissement scolaire où j'étais quand j'étais infirmière. Et il avait dit aux jeunes d'entrer cette phrase. Est-ce qu'il vaut mieux réussir sa vie ou est-ce qu'il vaut mieux réussir dans la vie? Après, tout est un choix. Et ce qui se passe, c'est quand on est pris au départ par cette société, cette éducation scolaire et autres, on nous fait miroiter la réussite dans la vie. Dans la vie, parce que bah, il faut avoir gagné de plus en plus sa vie, monter l'échelle sociale. Là, c'est des signes de réussite sociale et réussite de sa vie, de la vie. Et en fait, on s'aperçoit un beau jour que d'avoir la plus grosse voiture, la plus grosse maison ou la plus belle télévision, ça nous apporte peut-être des petits plaisirs au départ, mais après, c'est pas là que se trouve le bonheur. Et donc, on nous fait confondre aussi le plaisir et le bonheur. Donc, on a le droit d'avoir des plaisirs. D'aller manger, de déguster un bon plat est toujours un grand plaisir. D'aller regarder, d'aller dans un musée, moi, c'est un grand plaisir. D'aller dans une bibliothèque, moi, c'est un grand plaisir. D'écouter une belle musique, c'est un grand plaisir. Mais c'est toujours que du plaisir. Ce n'est pas le bonheur. Et le bonheur, c'est justement, c'est quand on suit son cœur. C'est en suivant son cœur, il va nous indiquer notre chemin. Et c'est là qu'on est heureux. Visiblement, c'est là qu'on est heureux. Et c'est dans le reste, on est toujours. Notre société, c'est une société qui est terriblement sans amour. Et puis, c'est une société où règne une insatisfaction permanente. On est toujours insatisfait. Insatisfait parce que. Il y avait une petite histoire que j'avais lue aussi, qui est parce que je m'étais passionné sur les états de mort imminente. À l'époque, ça s'appelait les Near Death Experiences, les NDE. Et il y avait un jeune qui était mort et qui racontait son expérience. Et elle m'avait fait beaucoup rire parce qu'il devait avoir dans les 16-18 ans. Et quand il est arrivé devant il raconte que pendant son NDE, il avait rencontré un bel être de lumière qui était plein d'amour envers lui, de compassion et d'attention. Et cet être lui a posé la question, piège. Réfléchissez, écoutez bien cette question, elle est détonnante. Et cet être lui a dit, qu'as-tu fait de ta vie? Et, ouais. Et alors, la réponse de ce jeune a été merveilleuse parce que le jeune, il a eu sa mâchoire inférieure qui est tombée, comme nous le faisons tous quand on nous pose cette question-là. Et ce jeune, il a dit après, quand il m'a posé cette question, il m'a dit, j'étais boy scout, genre je faisais mes bonnes actions, mes machins, etc. Donc je pensais être digne. Et puis quand il m'a posé cette question-là, je me suis rendu compte que j'étais complètement à côté de la plaque. Il disait même, c'est comme si je passais un examen, et que toutes les révisions que j'avais faites pour préparer cet examen étaient complètement en dehors du programme. Donc j'étais hors programme. Et je pensais être quelqu'un de bien parce que je faisais des bonnes actions, etc. Mais en fin de compte, il s'aperçut que c'était complètement en dehors du sujet. Donc, qu'as-tu fait de ta vie? Qu'as-tu fait de ta vie? Alors c'est vrai que le jour où je passerai de l'autre côté, moi je pense qu'il y a quelque chose derrière et je pense que c'est là-bas que se passe la vraie vie, mais ça c'est mon histoire. Mais le jour où je passerai derrière, avant de partir, j'aimerais bien me dire, avoir deux, trois trucs à répondre quoi, quand on me posera la question, qu'as-tu fait? Alors ben voilà, on vous invite à vous la poser cette belle question, qu'as-tu fait de ta vie? Et c'est vrai que c'est quand même essentiel parce que on peut passer une vie à être là et puis, comme vous dites, subir, voilà, être là et puis faire bonheur malade. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'il n'y a pas de
petit travail, petit métier, petites activités. Moi, je pense en particulier à toutes ces femmes et maintenant à tous ces hommes qui s'occupent de leurs enfants. Ah C'est quelque oui. chose de magnifique. Et il ne faut surtout pas dévaloriser ce genre d'action et de travail. Et je dis bien de travail, parce que c'est un travail qui prend 24 sur 24. Hein. Et donc, on peut être dans tous les métiers. J'ai vu un plombier qui était absolument extraordinaire aussi par rapport à tout ça. Donc, c'est pas une question de travail et d'être un grand de ce monde où tout le monde, il y en a d'autres qui rêvent d'être celui qui va guérir le cancer ou qui va être le prochain président de la République, je dirais que ce n'est pas forcément la meilleure voie pour évoluer pour son chemin de vie. Non, mais c'est juste parce que je ne dénigre pas, mais c'est évident que toutes ces personnes qui sont en politique ont un nombre petit et grand. Petits et grands politiciens ont un grand nombre de tentations. C'est ça. Et comme me disait mes petites passions, mes passions, je vous ai dit, il m'a apporté plein de trucs. Il y en avait une, elle m'avait fait beaucoup rire parce qu'elle m'avait regardé. C'était une petite grand-mère, elle devait avoir bien 85, 90 ans, toute ridée, un petit peu voûtée comme ça. Puis elle me regarde, je me rappelle encore son regard du coin de l'œil comme ça, avait un petit peu malicieux. Puis elle me dit, mais vous savez, docteur, le diable, eh ben, il est toujours tentant. Exactement, exactement. C'est vrai qu'après, ils ont des tentations et puis ben, après, c'est leur libre arbitre de prendre ou pas. Et moi, je me dis toujours, qu'est-ce que je ferais à leur place? Parce qu'on est des simples êtres humains. Et est-ce que peut-être... C'est pour ça, c'est que je dis, ce n'est pas forcément le chemin le plus facile qu'ils ont choisi pour évoluer. C'est un chemin de grande, grande, grande responsabilité. Moi, je pense qu'il faudrait toujours choisir des politiciens, comme politiciens, des gens qui ne veulent pas être dans la politique. Moi, je ne veux pas être politicien. Ben, ça tombe bien, tu veux être député. Allez. Alors, on y va. Au moins. Alors, justement, parlons de politique de l'amour. Tiens, voilà, ça me vient comme ça. La révolution de l'amour. Elle est là. Et vous le dites très, très bien, elle se fera dans chacun d'entre nous et après, elle s'explosera à l'extérieur. Dans ce livre, donc, il y a même un CD de méditation, j'ai oublié de le dire tout à l'heure. C'est aux éditions Très Daniel. Vous parlez de nouveaux paradigmes, que c'est une révolution d'abord de l'amour pour nous. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus? Qu'est-ce que ce beau livre? Dites-moi tout. Aujourd'hui, ce que je vais dire, tout le monde va le comprendre parce que la situation d'aujourd'hui est très évocatrice. Maintenant, si les personnes n'ont pas encore compris, il faudrait qu'ils s'y mettent parce que ça crève les yeux. C'est qu'on a, aujourd'hui deux mouvements qui se font, le mouvement gouvernemental qui prend des directions, mais qui font des directions avec de la peur, et puis avec des mesures, des contre-mesures, et puis on fait des mesures à l'envers, etc. Donc on est tous complètement perdus par rapport à ça, mais c'est très anxiogène. Et puis il y a l'autre mouvement qui est catalogué par le premier, parce qu'il ne se présente pas comme ça, mais on les catalogue comme ça, comme étant des complotistes, mais seulement parce qu'ils ont ils sont complotistes parce qu'ils adhèrent pas forcément à toutes les mesures gouvernementales et souvent avec juste raison. Donc il y a des choses qui sont juste d'un côté, des choses qui sont juste de l'autre, mais de toute façon l'un et l'autre ne rêvent qu'à continuer de développer une société telle qu'on l'a connue jusqu'à présent. Les premiers en poursuivant dans certains domaines, les autres en supprimant certaines lois et certaines réflexions, mais en fin de compte, de continuer toujours.
Mais en fait, et le confinement a éclairé beaucoup des esprits aussi, c'est qu'en fait, on s'aperçoit que on n'est pas là pour réussir dans la vie, on est là pour réussir sa vie. Et donc, il est temps de peut-être de réfléchir à une nouvelle société. De toute façon, une nouvelle société va apparaître, comme je le disais tout à l'heure, obligatoirement. Et donc, plutôt que de rester les bras croisés sur son siège, eh bien, en attendant, en passant son power aux autres, à ce moment-là, on peut se dire, et si nous, on était en train de penser une société, quelle est la société de nos rêves? Quelle est la société de nos rêves? La société de nos rêves, c'est une société où tout le monde pourrait vivre heureux, avec de quoi manger dans son assiette, avec de l'eau potable, avec toute sa famille autour de lui, avec ses amis en plus, et puis un toit sur la tête. Après ça, ce que la religion du voisin ou la pensée du suivant, on s'en fiche. À partir du moment où on est tous dans le respect des uns des autres, ça n'oppose aucun problème. Aucun problème. Et moi, j'ai connu ça il y a déjà bien des années parce que à la fin de mes études de médecine, j'avais été bien formaté pendant 8 ans, et donc j'avais besoin d'air, et donc je suis parti avec mon sac à dos sur le dos en routard. Mais j'étais le routard, je dormais avec tous les gens de la base, etc. J'ai traversé l'ex-URSS, j'ai été parmi les premiers occidentaux en Chine quand elle commençait à s'ouvrir, etc. J'ai passé 6 mois en Inde, et dans tout ce voyage, à la fin de ce voyage, je me suis dit, qu'est-ce que j'en tire de ce voyage? Qu'est-ce que j'en tire? Parce que j'ai vu un nombre de pays extraordinaires, des gens extraordinaires, des architectures extraordinaires. Qu'est-ce que j'en tire? Eh bien, ce que j'en ai tiré, c'est ce que je viens de vous dire. C'est qu'en fin de compte, dans tous les pays du monde, tous les gens que je rencontrais n'aspiraient qu'à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, et comme on dit, quand on est dans l'espace, dans la station, je ne sais plus comment, eh bien là, on peut regarder la Terre, mais il n'y a pas de frontière. On n'est qu'une seule humanité sur une seule Terre. Et donc, il est temps de revoir un petit peu ce paradigme. Et moi, je trouve insupportable aujourd'hui que nous soyons dans l'opulence, alors qu'il y a des personnes qui meurent de faim aujourd'hui, qu'il y a encore des milliards d'êtres humains qui sont sans eau potable à leur disposition. Donc, c'est insupportable quelque part. Donc, il est temps de revoir une société qui serait vraiment basée sur 3 termes qu'on connaît bien déjà, sans parler encore de l'amour. C'est la liberté individuelle, pour que chacun puisse évoluer à son propre compte, sur son chemin de vie. La fraternité entre les individus déjà d'un même pays et aussi entre les différents individus sur la Terre. Et l'égalité. Et l'égalité. Et comme disait Coluche, on est tous égaux, mais ce sera très dur. Donc, C'est vrai. Il n'y a même pas une égalité homme-femme. Même pas une égalité homme-femme. Quand je vois que les femmes, pour un travail équivalent à celui d'un homme, sont moins payées, c'est scandaleux. Et on est en France. C'est vrai. Et on dit en plus que le droit de vote aux femmes a été donné en 1945, si je me souviens bien. Et en fait, les Turcs ont donné le droit de vote aux femmes bien avant, entre autres. Donc il faudrait qu'on... On est d'accord. C'est vrai, on nous oppose sur tous les plans. Je veux dire, on est vraiment dans l'opposition totale sur tous les plans. Oui. C'est exactement comme l'allopathie et l'homéopathie. Ils ne sont pas opposés, ils sont complémentaires. C'est les hommes et les femmes, c'est complémentaire. Et je dirais, et je vais... Tu veux savoir pourquoi? Oui, Luc, je veux savoir pourquoi. Dis-nous tout. Je te dirai tout. Eh bien, tout simplement parce que les hommes ont peur des femmes. D'accord. Parce que tout simplement, les femmes ont cette sensibilité et cette intuition que n'ont pas les hommes. Et donc, elles sont beaucoup plus rapides. Les hommes travaillent avec la raison, qui prend beaucoup de temps. Les femmes travaillent avec l'intuition, qui est directe. Et donc, et ça dérange extraordinairement les hommes. Et en plus, les hommes ne peuvent pas se passer des femmes. Par contre, quelque part, les hommes et les femmes pourraient se passer. On pourrait imaginer les femmes se passant des hommes. Alors, je suis une femme et je pense que oui.
Et Dieu sait que je suis mon mari. Mais, oui, mais l'un n'empêche pas l'autre. Mais voilà. C'est ce que j'avais appris d'ailleurs quand j'avais été voir un kahuna, c'était un guérisseur à Hawaï, parce que lui, il disait, qu'est-ce qui est le plus important? C'est le roc, parce que c'est là que va se baser les îles. Après ça, c'est la terre. Après ça, c'est les arbres. Après ça, sont les animaux. Après ça, sont les humains. Mais dans les humains, après ça, sont les hommes. Et en haut, ce sont les femmes. Les femmes, c'est toujours le bien le plus précieux dans une société. Et ça, les femmes, on pourrait... c'est pour ça que les femmes, à mon sens, ont beaucoup de mal, parce qu'en fin de compte, les hommes se sentent quelque part... Il y a quelque part un sentiment d'infériorité, bête et méchant, parce que c'est pas, il n'y a pas d'inutilité, il n'y a pas d'inégalité, on est tous à travailler des concerts, mais il y a quelque chose qui les dérange. Et c'est pour ça que dans toutes les sociétés, on a vu comment les femmes ont été mises de côté. Voilà. Je n'irai pas plus loin sur ce chemin. Ok. Et donc, cette révolution dans l'amour, tu dis que ça va vraiment passer par chacun de nous à titre individuel pour après l'offrir vraiment après au monde, à ce nouveau paradigme. Alors, je vais faire l'avocat du diable. Les gens qui vont nous écouter, ok, je veux faire ma révolution dans l'amour, mais je fais comment? Et je fais comment? Alors déjà, il faut savoir que cette révolution de l'amour... Déjà, elle est très importante aujourd'hui parce que d'un côté comme de l'autre, on risque d'arriver dans des situations, qui risquent de mal se tourner, de révolutions, d'émeutes, de manifestations, etc. Et qui n'apportent toujours que de la souffrance. Et cette révolution de l'amour, c'est évident. Déjà, on a vu un peu comment Gandhi, Nehru, etc. avaient réussi à faire des choses extraordinaires. Sans moyens militaires et sans moyens armés, donc c'est vraiment quelque chose aussi déjà important. Mais en plus, il est arrivé quelque chose de merveilleux actuellement, et c'est pas pour rien qu'on connaît une époque aussi difficile aujourd'hui. C'est que depuis pas mal d'années, il y a une montée du niveau vibratoire de la Terre, des vibrations de la Terre. Donc on la retrouve au niveau de la résonance de Schumann, on peut la tester avec la radiesthésie, on n'a pas d'appareil qui la mesure, mais on peut la tester avec d'autres moyens. Et c'est depuis cette montée que sont apparus comme de par hasard ces nouveaux enfants, nouveaux entre guillemets, les enfants indigo, arc-en-ciel, les autistes, les hyperactifs, etc., qu'on les traite comme des anormaux, alors que ce ne sont absolument pas des anormaux, ce sont des enfants qui sont inadaptés à notre société, on est d'accord. Seulement, notre société, plutôt que de se dire « c'est eux à changer, et puis nous, on va les mettre sur Ritaline, et puis pour continuer notre petit truc », c'est un scandale. Alors que ces êtres ont des capacités intellectuelles qui sont extraordinaires et qui pourraient sans doute... permettre de transformer notre société. Donc, il est très important d'arrêter de les considérer comme des neuneux. C'est lamentable, alors que ce sont souvent des personnes qui sont au contraire extrêmement intelligentes, mais ils sont intelligents dans leur domaine. Voilà, puis le reste, ils s'en foutent. Alors, de toute façon, comme ils s'en foutent, ils auront leur bulle à la composition d'histoire parce qu'ils s'en foutent. Mais ils seront. C'est pas parce qu'ils volent pas, c'est parce que c'est pas leur truc. Donc, tous ces enfants sont apparus avec cette évolution. Regardez même dans les animaux ont changé également. Moi, je me rappelle quand il y avait deux chiens qui se reniflaient, qui étaient dans la rue, ils se reniflaient l'arrière-train sans arrêt. Là, aujourd'hui, les deux chiens, ils se reniflent l'arrière-train pour faire connaissance, et puis après ça, ils s'assoient, mais c'est comme s'ils étaient en train de discuter. Il y a des attitudes qui changent, même chez les animaux, tous les animaux. Et là, ce montée vibratoire monte le niveau de conscience. Mais on est dans un monde de dualité. C'est bien qu'en fait, plus ça monte d'un côté, plus ça descend de l'autre. À nous de mettre le curseur là où on veut. Donc nous sommes faits pour vivre au niveau vibratoire de la Terre.
Or, ce niveau, il monte. Donc, il faut qu'on suive. Et c'est ça aussi qui désarçonne beaucoup de personnes sans trop comprendre. Ça favorise des anxiétés, des insomnies, des hyperactivités. Ça peut favoriser même des troubles digestifs, etc. Ça, c'est pas la cause, mais c'est un des facteurs qui va rentrer en ligne de compte. Mais cette montée du niveau vibratoire de la Terre fait qu'on a une conscience qui se développe, mais on a une puissance de pensée et de cœur qui s'est également développée. C'est-à-dire que cette révolution de l'amour que je décris dans mon livre, si je l'avais écrit il y a 20 ans, on aurait pu me qualifier de complètement utopiste. Et ça aurait été juste. Aujourd'hui, nous avons les capacités intellectuelles. On a la preuve que notre esprit agit sur notre corps. OK, placebo, sophrologie, etc. Notre esprit agit sur les autres. Il y a eu des études de fait. Notre esprit agit sur la matière. La physique quantique l'explique très, très bien également. Donc, elle agit même sur le champ magnétique terrestre quand on est nombreux à réagir ensemble. Donc, ça veut dire que notre esprit est très puissant et de plus en plus puissant. Et donc, il est peut-être temps d'utiliser cette puissance. Il est temps, si on a cet outil-là qui nous apparaît aujourd'hui, alors qu'on est dans une période de grand changement de l'humanité, il est peut-être temps justement d'utiliser cet outil, mais à bon escient. Sortons de notre peur et fermons la télévision et commençons par travailler avec notre cœur. Commençons par nous aimer nous-mêmes. Et ça, c'est compliqué pour beaucoup de personnes. C'est compliqué, mais on commence tout bêtement. Déjà, aimez votre corps. Votre corps, il vous permet de bouger, de faire plein d'expérimentations. Vous êtes sous la douche, vous passez le savon, vous remerciez votre jambe, vous remerciez l'autre jambe, vous remerciez vos pieds. Et si c'est le jour où ils ne seront plus là qu'on pleure, alors qu'on devrait les bénir quand ils sont là. Et moi, j'aime bien ma jambe droite et ma jambe gauche, et il n'y en a pas une des deux que j'aime le plus. Super, super, je suis contente. Ah, j'aime toujours, hein. Je vous aime toutes les deux, hein. Toutes les deux. Donc, il faut commencer par aimer, s'aimer soi. On a fait des boulettes, ok, mais ce n'est pas tellement les boulettes. Les boulettes qu'on a apprises, qu'on a faites, c'est parce que ça nous a permis de comprendre, d'avancer, de grandir. Et donc, on ne les recommencera pas. C'est tout. Il faut être tolérant et pardonner, se pardonner, tout comme on peut le faire pour les autres également. Donc, ça ne veut pas dire qu'on avait raison. Ça veut dire que, bon, bah, ok, j'ai compris, maintenant, je passe à autre chose. Et donc, et à partir de ce moment, on va commencer à s'aimer, on va commencer à être tolérant. Notre corps a tous des imperfections, c'est évident. Moi, je me rappelle toujours, il y avait une jeune femme qui était venue dans mon cabinet, c'était une femme, une mannequin. Donc, elle était absolument magnifique, cette femme. Et puis, je ne sais plus comment on dit dans la conversation. Puis, de toute façon, vous, il n'y a pas de souci au niveau de votre physique, etc. Elle me dit, ah non, 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 ne croyez pas ça. Regardez, ma dent ici, elle est trop basse. Et puis, mon œil, il descend un peu de ce côté-là, etc. Donc, même ceux qui sont les top modèles, etc., sont encore dans l'insatisfaction de leur corps. Donc, il y en avait un, il disait, mais les petits bourrelets, c'est pas plus mal, hein, parce que ça fait plus de surface à caresser. Hein. Bien sûr. Il faut regarder les choses. Il y en avait un autre, lui, il avait un gros problème de surpoids, puis il me disait, et qu'il s'en servait, lui, de temps en temps, parce qu'il habitait Paris. Et puis en fait, de temps en temps, il se garait en double fil, et puis il y avait un agent qui arrivait pour le verbaliser. Alors lui, il courait, et puis tant que comme il pouvait, évidemment, ce pauvre homme. Et puis il dit, ah monsieur l'agent, non, non, ne me mettez pas l'amende, parce que, oh là là, j'étais en voiture, puis j'ai vu une pâtisserie. Oh, j'ai pas pu m'en empêcher de m'arrêter. Ce qui n'était pas vrai du tout. Ce qui n'était pas vrai du tout, mais l'agent était obligé de rire et il dit bon allez circulez. Donc, on peut toujours utiliser c'est même pas des défauts parce que notre corps il est ce qu'il est, voilà, on a tous envie de le parfaire de ceci ou de cela, mais bon, il nous permet de faire plein de choses, notre esprit, nos actions. Donc commencer à s'aimer, et puis après ça, commencer à capter, recevant les énergies, et à les concentrer bien dans son corps, dans son cœur, pardon. Et puis à partir de là, on commence à envoyer son énergie dans son corps, pour remercier son corps.
Ah oui, mais j'ai telle maladie, etc. Oui, tu as telle maladie, mais tu as tout le reste qui marche bien. Commence à remercier le reste. Et puis la maladie, déjà, bah, envoie-lui de l'amour plutôt que de la maudire sans arrêt. Et peut-être que ça pourra peut-être aussi l'aider aussi de ce côté-là, plutôt que de lui envoyer sans arrêt des pensées négatives. Et donc, on envoie plein, plein d'amour à notre corps, à notre esprit, à notre âme. Notre âme, elle a besoin beaucoup, beaucoup de notre amour. Et donc, c'est comme ça qu'elle se nourrit. Et puis, à partir de là, on va pouvoir commencer par envoyer cet amour autour de nous. Alors, une question que je suis sûr qui te brûle les lèvres. Ah, pour voir. Je vais te le dire. Je vais te le dire. Trop fort, on va travailler sur la télépathie. Oui, mais l'amour, comment qu'on fait pour être dans l'amour? C'est ça. J'allais y venir. Je te laissais parler parce que c'est ça. Les personnes qui vont t'écouter, ok, on parle bien, on explique, mais comment? Moi, j'ai envie d'avoir, de savoir comment, Comment justement. être dans l'amour? Alors, c'est vrai que l'amour n'est pas quelque chose d'inné. OK? Ça s'apprend. Alors, il y a l'amour inné, bon, il y a l'élan amoureux qu'on connaît tous, mais il faut bien comprendre que cet élan amoureux n'a qu'un temps si on ne l'entretient pas non plus. Ça s'entretient, l'amour, ça ne se fait. Ce n'est pas quelque chose qui arrive en un claquement de bord. Les parents, une maman, un papa, vont avoir un sentiment d'amour normalement inné, mais ce n'est pas forcément inné non plus chez tout le monde, il faut bien le remarquer quand même, hein. Mais ça n'empêche que c'est, on aime cet enfant, on aime son enfant, et c'est quelque chose d'inné. Mais dans les situations générales, comment qu'on fait pour être dans l'amour? On a connu obligatoirement dans notre vie des périodes, des situations où on a été dans l'amour. L'amour avec son mari, avec sa femme, ou avec ses enfants, dans une réunion familiale, que sais-je. Alors, ce qu'ils font, c'est déjà se rebrancher sur cette situation. Se rebrancher sur cette situation pour ressentir un petit peu ce qu'on a vécu, comment ça s'est passé. Voilà, donc déjà, ça nous donnera une première approche. Une deuxième approche, c'est que la deuxième chose, c'est qu'il faut, l'amour, ça se décide. C'est-à-dire qu'il faut déjà décider, OK, je vais placer l'amour au centre de ma vie. C'est-à-dire que je vais essayer, et je vais le faire au fur et à mesure, mais que toutes mes pensées, mes actions, soient mes décisions, soient gouvernées par l'amour. Voilà. Au début, on va avoir des faux pas, hein, ça c'est normal, il faut être tolérant là encore. Mais déjà, dire je veux le placer au centre. Et puis, on peut commencer par des choses plus faciles, atteignables que l'amour. On peut commencer tout simplement par l'intégrité, l'équité, le partage, l'altruisme, la compassion. Voilà, on peut commencer par ces sentiments qui sont des beaux sentiments, et puis au fur et à mesure qu'on les met dans sa vie, ben ça se développe et on s'approche comme ça progressivement de cette notion d'amour. Parce que l'amour, ça se veut, ça se décide plus exactement, et puis l'amour, ça s'apprend. Et c'est vrai que on a tous des réactions primaire que quand on rencontre les autres, quel con celui-là, mais qu'est-ce que c'est que ce conducteur à la noix, etc. Donc c'est tous des réactions primaires, je dis bien, parce que en fin de compte on ne sait pas ce que vit l'autre. Pourquoi, s'il a fait ça, c'est peut-être qu'il est perdu dans un tas de fatras, de problèmes, etc., et qu'il ne nous a pas vus, et donc on a une intolérance complète par rapport à ça. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas juger les autres, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vivent, tout comme les autres ne peuvent pas nous juger non plus. Et il ne faut pas accepter qu'ils nous jugent pour la même raison. Voilà, donc c'est une approche, dans la pratique, c'est évident qu'il y a deux parties. La première partie, c'est essayer de mettre le plus d'amour ou de compassion ou d'équité, d'intégrité, de partage dans notre vie, que ce soit vraiment quelque chose qui domine notre vie et que ce soit pas. Parce qu'en plus, et de l'autre côté, il va falloir faire des moments dans la journée où on va prendre 2, 3 minutes, 5 minutes, un quart d'heure, ce qu'on veut, peu importe, où on va déjà s'envoyer de l'amour,
et puis aussi commencer à rayonner de l'amour tout autour de nous, sur toutes les personnes, tous les êtres humains qui peuplent cette terre, sans distinction. Donc, il est souvent envoyé encore plus d'amour aux hommes politiques, parce qu'il y avait une belle phrase qui disait « Aime-moi quand j'en ai le moins, quand je le mérite le moins, aime-moi quand je le mérite le moins, parce que c'est là où j'en ai le plus besoin. » À méditer. Et c'est tout à fait juste. Et donc, en fait, si on envoie de l'amour à quelqu'un, ça va déjà l'aider à être bien, ça va l'aider à monter son propre niveau vibratoire, et puis en plus, ça va l'aider aussi peut-être à faire le choix d'être dans l'amour. Et ça, c'est important. Donc, c'est vrai que quand on commence à s'aimer, ça va déjà être bien pour nous et pour notre corps, et puis après ça, ça va être bien quand on envoie ça sur les autres. Et on sait ensuite que si on est nombreux à faire cette révolution et qu'on est 7 ans ou qu'on en est 97, ça n'a aucune espèce d'importance. On la fait comme on veut, le temps qu'on veut, chez soi, tranquillement. Et à ce moment-là, on envoie cet amour. Mais si on est assez nombreux à faire cette technique-là, c'est qu'on sait qu'à partir du moment où il y a un groupe, même qui ne se connaissent pas, ça n'a aucune importance, mais qui vibrent sur les mêmes fréquences, eh bien, à partir d'un certain nombre, qui n'est pas énorme, qui est souvent de l'ordre de quelques milliers, voire quelques dizaines de milliers, etc., sont capables de faire transformer l'ensemble du groupe, l'ensemble de l'humanité. Donc, c'est pour ça que c'est très, très important. On a une force de conscience importante. On a cette force de pensée qu'on peut utiliser justement à bon escient pour faire la troisième voie, la voie de l'amour dans cette situation que connaît aujourd'hui l'humanité, pour créer un monde de demain qui soit beau, équitable, juste, et où il fera bon vivre et où nos enfants pourront être heureux. Voilà. Quel joli mot de la fin, j'ai rien à dire de plus. Merci. Je dirais encore un mot de plus, puisque tu m'y incites. J'insiste sur le fait que c'est une révolution évidemment pacifique. C'est une révolution qui s'oppose à rien. C'est une révolution simplement qui se passe au niveau de son cœur et des autres. Et si cette pensée est valable, efficace, elle va se mettre en place, et si elle se met en place, l'ancien système va tomber de lui-même sans heurts ni difficultés. Ça veut dire aussi, et je terminerai quand même sur le dernier point qui me paraît important, c'est que la révolution de l'amour, c'est une révolution c'est la troisième voie. Mais qui dit révolution de l'amour, même si on envoie de l'amour, même si on aime nos enfants, de temps en temps, on est bien là pour les gronder ou dire qu'on n'est pas d'accord. Ça n'empêche pas qu'on les aime. Donc, et là, c'est pareil. Quand on est dans la révolution de l'amour, on est dans cette pensée-là. Mais ça ne nous empêche pas de nous opposer à certaines directives ou dire certaines choses que l'on voit autour de nous. Ça n'empêche rien. On n'est pas devenus des bénis oui-oui. OK ? Donc, ça, c'est important. On a toujours le droit de dire. Nous ne sommes pas d'accord, toujours en respectant les autres. Et ça, c'est vraiment important. Mais on dit « je ne suis pas d'accord », ça ne veut pas dire que je ne t'aime plus. Je gronde mon enfant, tu as fait une bêtise, bon, je te gronde, mais je t'aime toujours. J'ai pas de mots. C'est super. Merci de tout ce que tu nous as dit, de montrer aux gens que oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Et c'est possible. Et n'oubliez pas que de toute façon, demain, le monde va changer. Obligatoirement, il va changer. Surtout avec tout ce qu'on est en train de vivre. Maintenant, c'est à nous de faire en sorte que ce changement aille dans le bon sens. On a notre livre. Chacun. Voilà, et qu'il n'y a pas, alors il y en avait une, elle me dit, ah oui, mais moi je suis qu'une petite, je ne pourrais pas y arriver. Il n'y a pas de petit, on est tous égaux,
et on apporte tous la même brique à l'édifice. Hein. C'est tout à fait. Okay. On a pas un qui va apporter le parpaing et puis l'autre qui va apporter le petit caillou. Hein. Donc tout le monde apporte sa brique et c'est la même brique pour tout le monde. Et on a besoin de plein de briques pour monter ce beau mur un mur, c'est peut-être pas une belle image, mais ce beau justement mur, c'est plutôt la fermeture, c'est plutôt pour monter cette nouvelle société avec ses nouveaux paradigmes. Voilà. Luc, merci de cette interview qui est juste. Moi, je m'arrêterai pas hein, de t'écouter et de te poser des questions parce que c'est top, franchement, je te remercie vraiment. Ça a été un super moment et vraiment, vraiment merci.